Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et nous sommes sur le point de faire une attaque nocturne sur un camp ennemi en pleine nuit dans Ghost Recon. Oui, non, nocturne donc en pleine nuit dans Ghost Recon Wildlands. Alors. En douceur. Au passage, nous avons un truc blindé dans le coin. Bah finalement, on va peut-être faire la mission suivante. Non. Ah non, on se concentre, chers amis. Nous avons localisé la voiture privée d'El Polito. Volez-la pour que nos techniciens extraient les données du GPS. Mais non, on est dans un hélicoptère de... Alors là, je suis désolé, chers amis, je suis pas d'accord, parce qu'on est dans un hélicoptère en question, justement, de la truc en question. Voilà. J'ai dû couper, normalement. Hop. Toute suspicion. Ok, on se pose. On est traqué. Convoi, oui, je suis pas intéressé. Et prenez un ennemi ou tuez un véhicule ennemi ou tuez son conducteur pour l'arrêter. D'accord, oui, je comprends bien. Renfort en approche. Ah bon? T'inquiète pas. Si vous bougez votre cul, ils vont pas nous voir. Bah, tu sais quoi, c'est parfait qu'ils viennent de ce côté. En pleine nuit, ils vont rien voir. Alors que nous, on va être super bien équipés. Ce qui va nous faire un petit peu moins de problèmes. Waouh. Des gens dans le coin? Tu es sérieux? Merde! Je suis au milieu! Les sicarios du cartel rappelé. Ok. Il va nous falloir plus de copains. Hein. Wow! J'ai pas du tout compris d'où ça venait. Oh putain! Oh, il m'a foutu les boules! Y'a personne là-dedans. Si, y'a un mec. Désolé, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Je fais le tour de la base ennemie. Putain, ils m'ont vu. Je t'ai vu. Ok. T'es sérieux, une Lambo? Une Lamborghini! Oui! Oups. C'est parti, les filles! Allez, salut! Il était occupé à fouiller les broussailles du
Ah bon, t'es arrivé dans la voiture comment, toi? Bon, je vois avoir aucun problème à aller semé. Ok, par contre, j'y vois que dalle. Il y a une capote pleine de sang dans la boîte à gants. Non, pardon. Hein? Bon, ça se confirme. C'est la caisse de Yuri et Polito. Moi, une bagnole comme ça, je dis oui. Même si les capotes sont d'usine. Il y a un truc que j'ai jamais capté chez les narcotrafiquants. Ils se paient une caisse de luxe. Capote pleine de sang. Il gicle du sang, le pauvre garçon. Super caisse, super costume, mais toujours le même patelin pourri. Ça sert à quoi? C'est pour avoir la clim. C'est pour avoir la clim, mais qu'il est con. Elle est bonne celle-là. C'est pour avoir la clim. Mais oui, bien sûr. Hop, salut. Salut. Vous pouvez vous casser, s'il vous plaît. C'est là. Ah là, il y a de la puissance, hein. Même si c'est vrai que dans la terre, on sent pas, hein. Plac. Désolé. Je vous apporte une très, très, très jolie bagnole. Ok, Aboman et Alias adjoués. On dépouille le GPS pour identifier les adresses où Yuri et Polito pourraient se trouver. Ça, c'est bon. Ça se passe très, très bien. Bon, finalement, on n'aura pas complètement attaqué le truc, hein, mais on l'aura bien pris. Il y a un avion ici, pardon. Ici, il y a la base Itaqua, donc il y a deux miniguns, apparemment. Cartel dans la province, d'accord. Donc c'est le PC opérationnel, donc... C'est ce qu'on vient d'attaquer? Non. C'est ce qu'on vient d'attaquer? Oh la gueule. Merde, faut que j'y retourne alors pour choper ça. Merde! Bah écoute. Allez, monte. On peut y aller. On y retourne avec la même bagnole, on la ramène. Poussez-vous, merci. On ramène la bagnole. Oula. Si on y arrive, hein. Si on y arrive. Faut que j'aille chercher la médaille. Faut que j'aille chercher la médaille, je l'avais dit que je la prendrais. En plus, elle apporte un passif. Elle apporte un passif, donc non, je suis obligé de le prendre. Putain, je me suis pas rendu compte qu'on avait fait autant de kilomètres en si peu de temps. Aïe. Largage de Médoc pas loin, d'accord. Allez. Hop. Et honnêtement, honnêtement, non, t'es pas sérieux là, c'est des conneries. Il suffit de ça. Il suffit simplement de ça. Donc j'ai déjà 8% hein, d'efficacité en plus pour mes copains. Il suffit simplement de ça. Ok, donc je peux me téléporter en fait de là d'où je veux en fait. Complètement, sans le moindre souci. Naissance d'une rébellion, d'accord. Arrêtez et marquez le convoi de la... Bon. Le groupe rebelle de Pak Katari est au bord de la défaite. Si on les aide à inverser la vapeur, on pourra compter sur son appui par la suite. Non. Je vais pas avoir le temps d'y aller. Je vais avoir le temps d'y aller, grimper. Allez, 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 allez. Les mecs, en bagnole. Là, vite. Me force pas à employer la manière forte. Contre nos traditions, c'est la sainte. Allez. Beaucoup d'entre vous travaillent déjà pour le cartel. Et bon nombre de nos voisins ont déjà reçu l'aide d'Esperanza Santa Blanca. Ils sont tous dedans, c'est bon. C'est bon. Notre pays sont innombrables. Ok, on y va. Les représentants de la Santa Blanca. C'est grâce à la Santa Blanca que la Bolivie perpétuera ses traditions. Tout le monde est prêt? Feu! Bien sûr. J'attaque l'ennemi. Ok.
Aïe, 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 aïe. Je suis complètement planqué. Allez, remonte. Allez, je balise le matériel. C'est bon, on l'a eu. Ok, ça fait deux. Sinon, quelle nouvelle de Yuri et Polito ? Rien pour l'instant, amigo. Ils savent couvrir leurs traces, ces deux-là. Et ça fait trois. Mais mes hommes sont sur le coup, on les retrouvera bientôt. D'ici là, mes frères révolutionnaires d'Itaqua se tiennent à votre disposition. Merci, l'ami. Besoin d'eux, appelez-les et ils viendront. Je tâcherai de m'en souvenir. Merci, mon pote. C'est vraiment sympa de ta part. Ok. On pourrait aller prendre des médocs. Qu'est-ce qu'on a là comme pièce d'équipement? Un canon long pour un fusil d'assaut. Mission secondaire, diversion. Voler l'hélico. Là, c'est voler l'hélicoptère aussi. C'est là qu'on va. Allez les filles, on y va. On y va, on y va, on y va. Parfait. Ah. Oui, bonjour. D'accord, dis-moi tout. Ça, c'est ce que j'appelle de la bravoure. Oui. Pour les punir, la je confirme. A rasé chaque maison et exécuté tous les villageois. Putain. Merde. Mon est toujours en vie. Sûrement en attendant de se faire tuer de façon encore plus immonde. Bien compris. On file direct à Kulta. Il y a un temps pour cette mission? Non, par moment, non. D'accord. Donc on profite qu'il n'y ait pas de temps. Ok, on va se mettre là. Et on envoie notre drone. Ok. Lui, il descend. Bah écoute, descend, l'ami, descend. Ah oui, de nuit c'est beaucoup plus compliqué hein. Pour nous repérer hein. Allez mec. Allez mec. Ouais, je viens de le voir aussi, merci. C'est passé tout près. Viens me voir. Tout le monde bouge d'un coup, vous avez remarqué? C'est bon. Ah merde. Jusqu'où tu vas aller comme ça, l'ami? Ok. On est bon.
Bah, on n'avait pas réussi à la faire dans la bêta, donc je suis très content d'avoir réussi. Hop. Ah merde, la musique. Non. Où est cette radio? Où est cette maudite radio? Merci. On est pas un, ça. Ok. Là, j'ai un document. Le photogramme de Yuri et Polito. Non, merci, je veux pas aller voir ça. Ni le lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yuri et Polito m'ont vexé. Ils m'ont choqué. Ils m'ont fait beaucoup de mal dans la bêta. J'ai vu des choses, entendu des choses que j'aurais préféré ne jamais entendre et ne jamais voir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, de préférence, j'aimerais essayer de les abattre le plus rapidement possible. Quand je les verrai. Avant qu'ils ne parlent trop, si vous voyez ce que je veux dire. Tir synchro, c'est bon, même pas mal. Blindage terrestre. Ah, résistance aux balles. C'est intéressant, tout ça. Ah, non, blindage, c'est pour les véhicules, d'accord. Course silencieux, ça, c'est intéressant. Reco jumelle, ça peut être intéressant aussi, même si pour l'instant on l'a pas encore trop fait de la reco à la jumelle. Du coup, peut-être que plutôt partir sur la portée et tout ça. Je ne sais pas. Partir là-dessus plutôt. Une visée plus stable. Ok. Grimpons à bord de cet énorme hélico d'ailleurs, hein, double réaction à l'arrière. Allons-y. Tonneau ? On peut les faire ? On pouvait pas les faire pendant la bêta. Non, sérieusement, on peut les faire ? Ah non, on peut pas les faire. Pas avec celui-là. Ah, quoique. Non, on pourra pas les faire avec celui-là. Ok, bah il y avait vraiment pas loin en tout cas. Ah non, il veut pas. Il veut pas. Le looping, il veut pas non plus. T'engage. Non, il voudra pas. Tant pis. Ah, je suis vexé. Ok, en douceur. Hop. Comme papa dans maman, comme on dit. Crac, voilà. De rien pour les médocs. Du coup, ça ne nous a pas rapporté, imaginons, un point de compétence ou n'importe quoi. Non, malheureusement non. Ok, bon, ça progresse. Hein, on est en train de libérer la zone, hein, comme on dit. Là, j'ai un point. Plantation Atolo Farm. Plantation occupée par le cartel, donc c'est forcément une plantation de cocaïne, malheureusement. Un lieu inconnu, d'accord. Ici, nous avons une dispersion. Diversion, pardon. Puerto Novo, je pourrais peut-être tomber des choses sympas ici, mais c'est dans l'autre région. Ici, j'ai un point très très simple à choper, on va aller le choper, parce qu'on l'a pas fait encore. Nous sommes à 18 minutes de vidéo, on a largement encore le temps pour aller choper ce petit point. On va peut-être aller en bécane, d'ailleurs. Ou non, on va appeler le SUV des commandes de nos amis tout simplement, tout bêtement. Ça va être beaucoup plus simple, et puis en plus on l'a pas encore fait. C'est stupide, on devrait le faire. Alors, pour ça, j'appuie cette touche là. Je me dirige ici. Ah la vache, il est arrivé. Ah bah bien. C'est quoi ce bordel, il a de la nitro au cul. Camionnette. Choqué par le véhicule, comment qu'il est arrivé. Allez-y, montez. Parce qu'apparemment, ça va être compliqué de le diriger. Montez. Le jour se lève. Nakahawa. D'accord. Si tu le dis. À tes souhaits. Ok, on y va. Et ensuite, on va peut-être redescendre un petit peu plus bas à côté de nous, à notre ouest actuel. Pour un point d'interrogation qui est toujours en place. Je suis seul à avoir entendu un putain de gémissement à ce moment-là ou pas. Personne dans le coin. Ils sont tous dedans. Ils sont tous les deux dedans. D'accord.
lancé, comme mierda, culeros. Explosion. Ok. Il y en a plus. C'était bien là qu'il fallait que j'aille, hein. On est d'accord, il y a un point normalement ici. Ici, ok. Parfait. Ce qui nous fait un point supplémentaire. C'est intéressant, je pourrais avoir un zoom de jumelles. Je pourrais avoir le parachute. Et là, tu te tâtes. Et là, tu te tâtes, Marcus. On va attendre. Ok, on va essayer de redescendre ici. Même si j'estime qu'il y aura... J'imagine qu'il y aura rien, parce que... Non, il n'y aura rien ici. Sinon, ça serait déjà affiché. Ok. Caisse d'accessoires et deux points de compétence plus une médaille. On a un point de compétence ici à échoper. Donc si on part d'ici, ça pourrait être intéressant peut-être. On va bien voir. On va finaliser chacune des zones, chers amis. Ce qui est bien, c'est que j'hésite pas à utiliser le transport rapide. Ce qui fait que ça rend les épisodes beaucoup plus rapides en fait, simplement aussi. On a un camion dans le coin. Un tracteur, ok, non. Non. plus tard, chers amis. J'y vais comme ça. C'est où? D'accord, c'est vraiment. Partez, je vous rejoins. D'accord. Ça, c'est la porcherie. Pousse-toi, Bobby. Bon, ben alors, qu'est-ce que tu fais? Bah je fais du cross hein. Enfin je fais plutôt du bunny hopping en fait, mais en moto. Carrément. Aïe. Oh j'ai eu peur au suicide honnêtement. Aïe. Ok. On est peut-être pas si mal cette voie là par contre. Cassez-vous! Par contre, si je descends, je vais pas réussir à remonter donc vaut mieux remonter. Oh, je pensais passer par-dessus! Je pensais passer par-dessus! Vilain! Ok, c'est bon. On est à moins de 300 mètres, mais ça va être sur la montagne d'à côté à tous les coups. Non, ça va. Non, c'est bon. Donc, on a un point de compétence apparemment ici. Ruine de Borrecito. Ok. Apparemment, il n'y a pas d'ennemis, hein, donc... Ça va être rapide. Crac. Bah, si j'avais su... Eh ben, je serais pas venu. Non, je rigole. Peut-être pas quand même. Il y a quand même un point de compétence en jeu. Je serais venu, quoi qu'il arrive. Ok. Parce que maintenant que j'ai un point de compétence supplémentaire, j'ai bien l'intention de le mettre quelque part. Ça, c'est les résistances aux balles. J'ai bien envie de le mettre dans la vision thermique. Mais est-ce qu'il faut que je la mette pour moi? Je sais pas. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Ou alors j'attends pour un troisième point et passer au grade suivant en termes de visée stable. J'ai l'impression que ça sort d'une boîte de céréales, ou pire, de l'Air Force. Ouais, bim, dans ta gueule l'Air Force. C'est pas grave. J'adore ce genre de remarques, pour être honnête. Donc là je suis pas dans la bonne région, d'accord. Caisse d'accessoires, je l'ai vue, elle est pas très très loin normalement. Non? Je l'ai pas sur la map. Ah! On a une caisse d'accessoires qu'on ne connaît pas. Il y a une caisse d'accessoires qui n'apparaît pas. Alors, ce qui veut dire qu'il faudrait que j'aille quelque part où j'ai un intel. Mais est-ce qu'ici c'est dans le bon endroit? Non. Donc, ici, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi ça?
D'accord, mobiliser un petit groupe rebelle qui se bat à vos côtés. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai une arme. Ah si, elle est là. On irait bien là, d'abord. Et ensuite, on irait jusqu'ici choper le truc d'arme. Ah oui, je reconnais l'endroit. J'y suis déjà allé faire un tour. C'est des copains. Par contre, si on arrive à choper l'hélico, on sera balèze. Hein. Honnêtement. Alors, je pense plutôt qu'on va choper une bagnole et qu'on va y aller. À patte. Ce sera peut-être 100 fois plus simple. Un peu plus long, mais 100 fois plus simple. Sauf si on tombe sur une lambeau. Et encore, on pourra pas emmener toute l'équipe. Salut! Ça va? Imhotep? Un vieux van, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse déjà un peu plus. Bonjour madame. Monsieur? Madame? Monsieur, bonjour monsieur. Cette fille aux yeux d'or, c'était... Blah, non me parle pas de la fille aux yeux d'or, hein. De toute façon, ils vont tous se taper dans la bagnole au bout d'un moment, voilà, ils sont tous tapés dans la voiture. Va comprendre! On est à 2,5 km, ça devrait se faire assez vite, sur de l'asphalte. S'il y avait moins de virages, ce serait peut-être un peu plus cool. Ah, oh, je prendrais bien un de leurs véhicules, un de ces quatre. Nom de Dieu. C'est pas un point de passage, ça? Non. Cool. Ça a l'air sympa comme ville, ça, finalement. Ah, il y a une mission! On saura quoi faire la prochaine fois, alors. C'est cool. Mais on n'est pas dans la bonne région. Ah putain, d'accord. En fait, je suis passé par une autre région pour aller chercher un truc. Ok. Ça me dérange pas. Lamborghini. Bonjour. Bonjour, bonjour. Par contre, si la seule supercar, c'est la Lambo, enfin, ça va être bien, mais... Putain de merde. Mais bon. J'aurais pas fallu en avoir plus. Forcément. Forcément. Ok. C'était là. Ah putain, c'est la touche A, Marcus le frein à main. Bonjour. Nut nut. Toc toc. C'est moi. Qui est là? C'est moi. Ah bah bravo, tu viens de percuter un civil. Pardon. Pardon, madame. Je pensais pas que... J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. T'es sérieux là? Bon, ils m'ont perdu entre temps donc... What? Le mec il avait une mitrailleuse lourde derrière moi. What? Bah oui, bah soigne-moi là. Regardez ça! Regardez ça! Oh! J'aimerais bien savoir où ils sont les mecs qui me voient. On va se planquer là. Je déploie le drone. Aïe! Mon drone! On est engagé. Donc autant tuer tout le monde.
Best planque ever. Putain, il y avait une lambeau là. Ok. C'est bon ? Ça s'est joué un poil de cul. Ouais, ça s'est joué un poil de cul, comme tu dis. Oh, on est toujours traqué. On est toujours traqué, on est toujours traqué, on est toujours traqué. Et moi, j'ai un point de snipe. Ah oui ! C'était pas à l'Unidad ici ? Question, est-ce que je peux faire ça ? Hein ? Ça fait deux. Ça fait trois. Merde. Oh putain. Je l'ai eu. J'ai jamais pensé qu'ils étaient deux. Oui. Je confirme. Allez, on rentre là-dedans. Et on va chercher le dernier truc. Allez. Il l'a encore vu à travers les murs. Le sac. Ok, on est bon. Donc. Nous avons dans cette région toutes les armes, toutes les caisses d'accessoires, presque tous les points de compétences et presque tout le reste. On va se téléporter, chers amis, une dernière fois ici à Itaqua Alpha. Et on va se laisser là pour cet épisode, on saura quoi faire dans le prochain en tout cas. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop, c'est pile bien timé, hein, quand même, je veux pas dire.